Bonjour à tous, donc là on va faire le numéro 10 et le numéro 11. Donc même si vous avez un peu mal aux lèvres, c'est pas grave parce que là nous allons faire de la rythmique. Donc je vais mettre les portées et puis on suit la musique. Donc vous avez des notes en gras ou en grand et puis des plus petites notes. Donc les notes en gras, donc les plus grosses, vous les tapez plus fort et les plus petites vous les tapez moins fort, tout simplement. Donc il y a ce sont que des noirs et des silences d'un seul temps. Donc quand vous avez le truc comme ceci, c'est un silence d'un temps, donc vous dites chut à la place de taper, ou alors juste vous tapez pas. Donc moi ce que je vais faire par exemple, donc dans la deuxième mesure, je ferai noir, chut, noir. Donc ça fera... Au moins je ne saurais pas taper sur le silence. Ok, on y va pour le numéro 10. Reprise. Ok. Ensuite, on va enchaîner avec le numéro 11. Donc, à la place d'être en 4-4, on va être en 3-4. On va avoir donc deux soupirs qui s'enchaînent, par exemple, dans la deuxième et la quatrième mesure. Donc, numéro 11. Et 3. Reprise. Oui, donc ça peut sembler simple, mais en fait, ici, ce que vous voyez, ce sont les temps forts. Donc, vous voyez, par exemple, que dans votre 4-4, vous avez des grosses notes sur le premier et sur le troisième temps, ce qui équivaut au temps fort d'une musique. En général, quand vous allez entendre une musique, vous allez avoir un accent ou un temps fort qui va se passer sur le premier et le troisième temps. Ça va aussi vous aider à vous indiquer en quelle mesure on est, si vous êtes en 2-4, 4-4, 3-4, 6-8, etc., etc. Et dans le numéro 11, vous voyez que vous avez un autre rythme. Donc à la place d'avoir toutes les deux notes un temps fort, vous avez toutes les trois notes, vu que c'est un 3-4. Donc le temps fort se déroule sur le premier temps, et puis il n'y a plus de temps fort dans cette mesure-là. Bon, de toute manière, c'est pas très compliqué à faire pour ceux qui ont une bonne rythmique. Pour ceux qui ont un peu de mal, ben entraînez-vous. Mais je pense que pour la majorité, on se retrouvera très vite pour le numéro 12. A tout de suite.